Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée. En me disant, Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. Alors te revoilà, toi. Tu crois? Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi, que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Dans un fossé. Dans un fossé? Où ça? Par là. Et on ne t'a pas battu? Si. Pas trop. Toujours les mêmes? Les mêmes. Je sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu ne serais plus qu'un petit adossement alors qu'il est. Pas d'erreur. Et après? C'est trop pour un seul homme. D'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent? Voilà ce que je me dis. Fallait y penser. Il y a une éternité. Vers 1900. Assez. Elle m'a enlevé cette saloperie. La main dans la main. On se serait jeté au bas de la tour Eiffel parmi les premiers. On portait beau, alors. Maintenant, il est trop tard. On nous laisserait même pas monter. Ah! Qu'est-ce que tu fais? J'aime des choses. Ça t'est jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours, tu ferais mieux de m'écouter. Aide-moi. Tu as mal? Mal. Il me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffre. Moi, je ne compte pas. J'aurais pourtant le voir à ma place, tu m'en dirais des nouvelles. T'as eu mal? Mal? Il me demande si j'ai eu mal. C'est pas une raison pour ne pas te boutonner. C'est vrai. Pas de laisser aller dans les petites choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'attends toujours le dernier moment. Le dernier moment? C'est long, mais ce sera bon. Qui disait ça? Tu veux pas m'aider? Des fois, je me dis que ça vient quand même. Alors, je me sens tout drôle. Comment dire? Soulagé et en même temps épouvanté. Épouvanté! Alors, rien. Fais voir. Il n'y a rien à voir. Essaie de la remettre. Je vais le laisser respirer un peu. L'homme tout entier s'en prenant à sa chaussure, alors que c'est son pied le coupable. Ça devient inquiétant. Un des larrons fut sauvé. C'est un pourcentage honnête. Gogo. Quoi? Si on se repentait. De quoi? Eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né. On n'ose même plus rire. Tu parles d'une privation. Seulement sourire. Ce n'est pas la même chose. Enfin, Hugo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as lu la Bible? La Bible? J'ai dû jeter un coup d'œil. À l'école sans Dieu. Je sais pas s'il était sans ou avec. Tu dois confondre avec la roquette. Possible.
endroit délicieux. Aspirian. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. C'est sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. T'en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ça ne soit pas la saison. Ce serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Peut-être. Et ainsi de suite? C'est-à-dire? Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable! Nous sommes déjà venus hier. Ah non! Là, tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier? Oui. Ma foi, pour semer tout à toi le pompon. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Je dis pas ça. Et alors? Ça n'empêche pas. Tout de même, cet arbre, cette pierre, cette tourbière. T'es sûr que c'était ce soir? Quoi? Qu'il fallait attendre. Il a dit samedi. Il me semble. Après le turbin? J'ai dû le noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? C'est pas possible! Ou jeudi? Alors comment faire? Si c'est dérangé hier soir pour rien, tu penses bien que il viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper. Descends-nous un peu. Tu veux? Je veux bien. Gogo. Gogo. J'ai dormi. Pourquoi tu me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Ne le raconte pas. Je rêvais que... Ne le raconte pas. Celui-ci suffit. C'est pas gentil, Didi. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés, sinon à toi? Qu'ils restent privés. Tu sais très bien que je ne supporte pas ça. Il y a des moments où je me demande si on ferait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin. Ce serait là un grave inconvénient, en effet. N'ai-je pas dit, Didi? Ce serait là un grave inconvénient, étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs. N'est-ce pas, Didi? Du calme! Calme. Les Anglais disent calme. Ce sont des gens. Tu connais l'histoire de l'anglais au bordel? Oui. Raconte-la-moi. Assez. Un anglais s'étant enivré se rend au bordel. La sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Assez. Tu voulais me parler?
Tu avais quelque chose à me dire? Dis. Je n'ai rien à te dire. T'es fâché? Pardon. Voyons, Didi. Donne ta main. Laisse-toi faire. Embrasse-moi. Tu l'ailles, hein? C'est pour les reins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Oui, mais en attendant. Si on se pendait, ce serait un moyen de bander. En bande? Avec tout ce qui s'ensuit. Là où ça tombe, ils poussent des mandragores. C'est pourquoi elles crient quand on les arrache. Tu savais pas ça? Pendons-nous tout de suite à une branche. J'aurais pas confiance. On peut toujours essayer. Essaye. Après toi. Mais non, toi d'abord. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je ne comprends pas. Mais réfléchis un peu, voyons. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche. La branche. Essaye de comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger, branche pas cassée, gogo mort. Didi lourd, branche cassée, Didi seul. Tandis que... Je n'avais pas pensé à ça. Et peu le plus... Peu le moins. Mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis. Moi, j'en sais rien. Il y a une chance sur deux. Ou presque. Alors, quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot. Voilà. Attendons d'être fixés d'abord. De notre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Tu n'étais pas là? J'ai pas fait attention. Eh bien, rien de bien précis. Une sorte de prière. Voilà. Une vague supplique. Si tu veux. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait. Il ne pouvait rien promettre. Qu'il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Ses agents. Ses correspondants. Ses registres. Son compte en banque. Avant de se prononcer. C'est normal. N'est-ce pas? Il me semble. À moi aussi. Et nous? Plaît-il? Je dis nous. Je ne comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle? Prends ton temps. Notre rôle? Celui du suppliant. À ce point? Monsieur a des exigences à faire valoir. On n'a plus de droits. Tu me ferais rire si ça m'était permis. Nous les avons perdus. Nous les avons bâtardés. On n'est pas liés, hein? Écoute! J'entends rien. Chut. Moi non plus. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était lui. Qui? Godot. Ah, le vent dans les roseaux. J'aurais juré des cris. Pourquoi crierait-il? Après son cheval. Allons-nous-en. Ouh! Mais ce soir, on couchera peut-être chez lui. Au chaud, au sec, le ventre plein, sur la paille. Ça vaut quand même la peine qu'on attende, non? Pas toute la nuit. Il fait encore jour. J'ai faim. Veux-tu une carotte? Y a pas autre chose? Je dois avoir quelques navets. Donne-moi une carotte. Merci, c'est un navet. Oh, pardon. J'aurais juré une carotte. Tout ça, c'est des navets. Tu as dû manger la dernière... Attends. Ça y est, voilà, mon cher. Rends-moi le navet. Fais-la durer, il n'y en a plus. Je t'ai posé une question. Hein? Est-ce que tu m'as répondu? Elle est bonne, ta carotte? Elle est sucrée. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je ne sais pas, c'est ça qui me gêne le plus. Délicieuse, cette carotte.
Attends, ça me revient. Alors? On n'est pas lié. Je n'entends rien. Je demande si on est lié. Lié? Lié. Comment lié? Pieds et poings. Lié à qui? Par qui? À ton bonhomme. À Godot? Lié à Godot? Quelle idée! Jamais de la vie! Pas encore. Il s'appelle Godot? Je crois. Tiens, c'est curieux. Plus on va, moins c'est bon. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire? Je me fais au goût au fur et à mesure. C'est ça le contraire? Question de tempérament. De caractère. On n'y peut rien. On a beau se démener. On reste ce qu'on est. On a beau se tortiller. Le fond ne change pas. Rien à faire. Veux-tu la finir? Attention, il est méchant avec les étrangers. C'est lui? Qui? Voyons. Godot. Voilà. Je me présente. Pozzo. Mais non. Il a dit Godot. Mais non. Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Pozzo. Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Bozzo. 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 Voyons. Bozzo. C'est Bozzo ou Bozzo? Bozzo. Non, je ne vois pas. J'ai connu une famille Gozzo, la mère brodée au tambour. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant. À ce que je vois. De la même espèce que moi. De la même espèce que Pozzo, d'origine divine. C'est-à-dire... Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Ah non, monsieur, pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce? Bien, c'est un... c'est une connaissance. Non, voyons, on le connaît à peine. Évidemment, on ne le connaît pas très bien, mais quand même. Pour ma part, je ne reconnaîtrai même pas. Vous m'avez pris pour lui. Oh, c'est-à-dire... l'obscurité, fatigue, la faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant... Ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas. L'attente? Vous l'attendiez donc? C'est-à-dire... Ici? Sur mes terres? C'était dans une bonne intention. La route est à tout le monde. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça. D'abord, chaque fois qu'il tombe, il s'endort. Debout, charogne. Arrière. Arrête. Tourne. Voyez-vous, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontré. Mais oui, sincèrement heureux. Plus près. Arrête. Voyez-vous, la route est longue quand on chemine pendant 6 heures, oui, c'est bien ça, 6 heures à la file, sans rencontrer âme qui vive. Manteau. Tiens ça. Manteau.
Le fond de l'air est frais. Ouais. Voyez-vous, mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables, même quand ils ne me ressemblent qu'imparfaitement. Pliant. C'est pourquoi, avec votre permission, je vais rester un moment auprès de vous avant de m'aventurer plus avant. Panier! Le grand air, ça creuse. Plus loin. Là. Il pue. À la bonne nôtre. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air fatigué. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Est-ce que je sais, moi? Attention. Si on lui parlait. Regarde-moi ça. Quoi? Le cou. En effet, à vif. Mais c'est la corde. À force de frotter. Qu'est-ce que tu veux? C'est le nœud. C'est fatal. Il est pas mal. Tu trouves? Un peu efféminé. Il bave. C'est forcé. Il écume. C'est peut-être un idiot. Un crétin. On dirait un goitre. C'est pas sûr. Il halète. C'est normal. Et ses yeux? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sortent. Pour moi, il est en train de crever. C'est pas sûr. Pose une question. Tu crois? Qu'est-ce qu'on risque? Monsieur? Plus fort! Monsieur! Foutez-lui la paix! Vous voyez pas qu'il veut se reposer? Panier! Panier! Ça va mieux. Monsieur. Qu'est-ce que c'est, mon brave? Vous mangez pas? Vous n'avez pas besoin des os, monsieur? Je ne pouvais pas attendre. Mais non, c'est tout naturel, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os, non. Personnellement, je n'en ai pas besoin. Mais en principe, les os reviennent au porteur. C'est donc à lui qu'il faut demander. Mais demandez-lui. Demandez-lui. N'ayez pas peur. Il vous le dira. Monsieur, pardon. Monsieur? On ne parle pas! Réponds! Allez-y. Pardon, monsieur.
Les os. Vous les voulez, monsieur? Réponds, tu les veux ou tu les veux pas? Sans tabou. C'est pourtant bizarre, c'est la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. C'est une honte! Faites-vous allusion à quelque chose de particulier? Traiter un homme de cette façon, je trouve ça... un être humain! Non! C'est une honte! Un scandale! Vous êtes sévère! Quel âge avez-vous, sans indiscrétion? 60. 70. Quel âge peux-tu bien avoir? 11 ans. Je suis indiscret. Je vais vous quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moins que je ne fume une pipe avec vous, qu'en dites-vous? Oh, je ne suis qu'un petit fumeur, un tout petit fumeur. Ça fait battre mon cœur. C'est la nicotine, on en absorbe, malgré ses précautions. Que voulez-vous? Mais peut-être que vous n'êtes pas des fumeurs, si? Non? Enfin, c'est un détail. Comment? Je m'en rassois maintenant, avec naturel, maintenant que je me suis mis debout, sans avoir l'air de... comment dire? De fléchir. Vous dites? Peut-être n'avez-vous rien dit. C'est sans importance. Voyons. Oh, ça va mieux. Pardon, déjà. Un instant. Plions. Mais prêt. Là. Me voilà réinstallé. Partons. J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu. Vous ne regretterez pas. Nous avons le temps. Moi, je m'en vais. Réfléchissez avant de commettre une imprudence. Mettons que vous partiez maintenant pendant qu'il fait encore jour, car malgré tout, il fait encore jour. Bon. Que devient, en ce cas, votre rendez-vous avec ce... Godet? Godot. Godin? Enfin, vous voyez qui je veux dire. Dont votre avenir dépend. Enfin, votre avenir immédiat. Comment le saviez-vous? Voilà qu'il m'adresse à nouveau la parole. Nous filions par nous prendre l'affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serais heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit, on s'enrichit, on goûte mieux son bonheur. Vous-même, hein? Vous-même, qui sait, vous m'aurez peut-être apporté quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Une question? Qui? Laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur, en tremblant, et maintenant, vous me posez des questions. Ça va mal finir. Je crois qu'il t'écoute. Quoi? Tu peux lui demander maintenant, il est alerté. Il lui demandait quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me demande... Mais demande-lui, voyons. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Je souffre comme un porc. Je vais vous répondre.
Restez tranquille, je vous en supplie, vous me rendez nerveux. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il va parler. C'est parfait. Tout le monde y est? Tout le monde me regarde? Regarde-moi. Pars. Parfait. Je suis prêt. Tout le monde m'écoute? Avance. Là. Tout le monde est prêt? Alors, quoi? Je n'aime pas parler dans le vide. Bon. Voyons. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Pourquoi il... Coupez pas la parole! Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Bagage. Pourquoi toujours tenir, jamais déposer? Pourquoi? J'y suis. Il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi il ne se met pas à son aise? Essayons d'être clair. N'en a-t-il pas le droit? Si. C'est donc qu'il ne veut pas. Voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas? Messieurs, je vais vous le dire. Attention. C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Je me suis peut-être mal exprimé. Il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Non, c'est pas tout à fait cela. Vous voulez vous en débarrasser? Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas. Vous voulez vous en débarrasser? Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, je serai tenté de l'employer à l'avenir dans cette capacité. Vous n'en voulez plus? En réalité, il porte comme un porc. C'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser? Il se figure qu'en le voyant infatigable, je vais regretter ma décision comme tel est son misérable calcul. Comme si j'étais à court d'homme de peine. Atlas! Fils de Japetos. Et voilà. Je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Vous voulez vous en débarrasser? Remarquez que j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne si le hasard ne s'y était pas opposé. À chacun son dû. Vous voulez vous en débarrasser? Vous dites? En effet. Mais au lieu de le chasser comme j'aurais pu, je veux dire au lieu de le mettre tout simplement à la porte à coup de pied dans le cul, je l'emmène. De l'aime à bonté. Au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien en tirer quelque chose. À vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer. Il pleure. De vieux chiens ont plus de dignité. Consolez-le, puisque vous le plaignez. Prenez. Fuyez-lui les yeux, comme ça il se sentira moins abandonné. Donne, je le ferai moi. Dépêchez-vous, bientôt il ne pleurera plus. Ah, 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 salaud. Ah, va être trop pied. Ah, bouge pas. Fais voir. Ah. Je vous avais dit qu'il n'aime pas les étrangers. Et je saigne. C'est bon signe. Il ne pleure plus. Les larmes du monde sont immuables.
Pour chacun qui se met à pleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en va de même du rire. Ne disons donc pas de mal de notre époque. Elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. N'en disons pas de bien non plus. N'en parlons pas. Il est vrai que la population a augmenté. La nuit ne viendra-t-elle donc jamais? Savez-vous qui m'a appris toutes ces belles choses? Lui, mon cher Lucky. Sans lui, j'aurais jamais pensé, jamais senti que des choses basses ayant trait à mon métier de... Peu importe. La beauté, la grâce, la vérité de première classe, je m'en savais incapable. Alors j'ai pris un knook. Un knook? Oui, ça fait 60 ans que ça dure. Oui, bientôt 60. On ne me les donnerait pas, n'est-ce pas? À côté de lui, j'ai l'air d'un jeune homme. Non? Chapeau! Chapeau! Et maintenant, regardez. Vous avez vu? Et vous me chassez à présent, un si vieux, un si fidèle serviteur? Après en avoir sucé la substance, vous le jetez comme un... comme une peau de banane à avouer que... Non, mais plus supporter. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il fait. C'est affreux. Oh, qui s'en va? Je deviens fou. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est affreux. Il devient fou. C'est dégoûtant. Comment osez-vous? C'est honteux. Ainsi, mon maître, le traiter ainsi, après tant d'années, vraiment! Je pense pas, il était gentil avec moi, il m'aidait, il me distrayait, il me rendait meilleur, et maintenant, il m'assassine! Est-ce qu'il veut remplacer? Je sais pas. Faut lui demander. Messieurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oubliez tout ça, je vous demande pardon. Je ne sais pas très bien ce que j'ai dit, mais... Vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qu'on fait souffrir, moi? Voyons. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pipe? Charmante soirée. Inoubliable. Et ça n'est pas fini. On dirait que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. On se croirait au spectacle. Au cirque. Au musical. Au cirque. Qu'ai-je donc fait de ma bruyère? Il a perdu sa pouffa. Jean-Pierre! Oh, du couloir à gauche! Garde la place! T'as perdu mon Abdullah! Il est en ordre! Vous m'auriez pas vu! Oh! Il est parti! Sans me dire au revoir! C'est pas chic! Vous auriez dû le retenir! Oh, il s'est retenu tout seul! Oh! Alors, venez par ici! Pourquoi faire? Venez, venez, vous allez voir! Vous voulez que je me lève? Venez, venez vite! Regardez. Oh là là! C'est fini. Il n'a pas l'air content. T'as raté des choses formidables. Dommage. S'apaise. D'ailleurs, tout s'apaise. Je le sens. Une grande paix descend. Écoutez,
La nuit ne viendra-t-elle jamais? Vous ne tenez pas à partir avant. C'est-à-dire, vous comprenez. Mais c'est tout naturel, c'est tout naturel. Moi-même, à votre place, si j'avais un rendez-vous avec ce. Godot, enfin, vous voyez qui je veux dire, j'attendrai qu'il fasse une nuit noire avant d'abandonner. J'aimerais bien me rasseoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis-je vous aider? Si vous me demandiez, peut-être. Quoi? Si vous me demandiez de me rasseoir. Ça vous aiderait? Il me semble. Allons-y. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, c'est pas la peine. Insistez un peu. Mais, voyons, restez pas debout. Vous allez attraper froid, vous croyez? C'est absolument certain. Vous avez sans doute raison. Merci, mon cher. Me voilà réinstallé. Mais il est temps que je vous quitte si je ne veux pas me mettre en retard. Le temps s'est arrêté. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Je vois tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas d'ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Vous voulez que je le dise? Pardon! Je veux bien vous satisfaire. Ah oui! La nuit. Regardez. Peux-tu regarder le ciel? Bon. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire en tant que ciel? Il est pâle et lumineux, comme n'importe quel ciel à cette heure de la journée, dans ses latitudes, quand il fait beau. Il y a une heure environ, après nous avoir versé depuis, mettons, 10 heures du matin sans faiblir des torrents de lumière rouge et blanche, il s'est mis à perdre de son éclat, à pâlir, toujours un peu plus, jusqu'à ce que... Vlan, fini, bouge plus! Mais derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galope et viendra se jeter sur nous. Vite comme ça, au moment où nous y attendrons le moins. Que ça se passe sur cette putain de terre. Du moment qu'on est prévenu, on peut patienter. On sait à quoi s'en tenir. Plus d'inquiétude à avoir. Il n'y a qu'à attendre. Je n'en avoir l'habitude. Comment m'avez-vous trouvé? Bon? Moyen? Passable? Quelconque? Franchement mauvais? Oh, très bien. Tout à fait bien. Et vous, monsieur? Oh, très bon. Très, très, très bon. Merci, monsieur. J'ai tant besoin d'encouragement. J'ai un peu faibli sur la fin, vous n'avez pas remarqué? Peut-être un tout petit peu. Et j'ai cru que c'était exprès. C'est que ma mémoire est défectueuse.
En attendant, il ne se passe rien. Vous vous ennuyez ? Plutôt. Et vous, monsieur ? Ce n'est pas folichon. Messieurs, vous avez été convenable avec moi. Mais nous voyons. Quelle idée. Mais si, vous avez été correct. De sorte que je me demande que puis-je faire à mon tour pour ces braves gens qui sont en train de s'ennuyer. Même un louis serait bien mieux. Nous ne sommes pas des mendiants. Que puis-je faire, voilà ce que je me demande, pour que le temps leur semble moins long. Je leur ai donné des eaux, je leur ai parlé de choses et d'autres, je leur ai expliqué les crépuscules, c'est une affaire entendue, et j'en passe. Mais est-ce suffisant? Voilà ce qui me torture, est-ce suffisant? Même sans son. Tais-toi. J'en prends le chemin. Est-ce suffisant? Sans doute. Mais je suis large. C'est ma nature. Aujourd'hui, tant pis pour moi. Car je vais souffrir. Cela est certain. Que préférez-vous? Qu'il danse, qu'il chante, qu'il récite, qu'il pense, qu'il... Qui? Vous avez pensé, vous autres? Il pense. Parfaitement. À haute voix. Il pensait même très joliment autrefois. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Maintenant, il fait plus que ça. Enfin... Tant pis. Alors, vous voulez qu'il nous pense quelque chose? J'aimerais mieux qu'il danse. Ce serait plus gai. Pas forcément. N'est-ce pas, Didi, que ce serait plus gai? J'aimerais bien l'entendre penser. Eh bien, il pourrait danser d'abord et puis penser ensuite, si c'est pas trop lui demander. Est-ce possible? Mais certainement. Rien de plus facile. D'ailleurs, c'est l'ordre naturel. Alors, qu'il danse. Danse, battre! C'est tout. Encore! Eh ben, mon cochon, j'en ferai autant, moi. Avec un peu d'entraînement. Il est fatigué. Autrefois, il dansait la farandole, l'almée, le branle, la gigue, le fandango et même le hornpipe. Il bondissait. Maintenant, il fait plus que ça. Savez-vous comment il l'appelle? La danse du filet. Il se croit empêtré dans un filet. Rien ne se passe. Personne ne vient, personne ne s'en va. C'est terrible. Dites-lui de penser. Donnez-lui son chapeau. Son chapeau? Il ne peut pas penser sans chapeau. Donne-lui son chapeau. Moi, après le coup qu'il m'a fait? Jamais. Je vais le lui donner, moi.
Qu'il aille le chercher. Et premier, la lui donner. Je vais le lui donner. Il faut le lui mettre. Dites-lui de le prendre. Il vaut mieux le lui mettre. Je vais le lui mettre. Qu'est-ce qu'il attend? Éloignez-vous. Pense pas. Oh. Arrête. Avance. Là. Pense. D'autres pas. Arrête. Arrière. Là. Hey. Pense. Et pendonner l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Whatman, d'un dieu personnel, caca, caca, barbe blanche, caca, hors du temps, de l'étendue, qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra, et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps, dans le tourment, dans les feux, donc les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter mettront à la fin les feux aux poutres, à savoir porteront l'enfer au nu, si bleu, par moments encore aujourd'hui, et calme, si calme, ben calme qui, pour être intermittent, n'en est pas moins les bienvenus, mais n'anticipons pas, et attendu d'autre part, qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas des recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la cacacacadémie d'anthropométrie de Bernard Brest, le testu et connard, il est établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains, qu'à la suite des recherches inachevées, de testu et connard, il est établi, ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, on ne sait pourquoi, à la suite des travaux de Poinçon et Whatman, il apparaît aussi clairement, si clairement, qu'en vue de la beurre de Fartov et Belcher, inachevé, on ne sait pourquoi, de testu et connard, inachevé, il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme en bresse de testu et connard, que l'homme en bref, enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir. Et en même temps, parallèlement, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique des sports, tel le tennis, le football, la course et à pied et à bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la conation, le tennis, le camogie, le patinage, et sur glace et sur asphalte, le tennis, l'aviation, les sports d'hiver, d'été, d'automne, le tennis sur gazon, sur sapin et sur terre battue, l'aviation, le tennis, le hockey sur terre, sur mer et dans les airs, la pénicilline et succès d'années, bref, je reprends. En même temps, parallèlement de rapetisser. On ne sait pourquoi, malgré le tennis, je reprends, l'aviation, le golf, Tantanef K18 trous, le tennis sur glace, bref, on ne sait pourquoi, en Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Marne-et-Oise, à savoir, en même temps, parallèlement, de maigrir, rétrécir, je reprends, Oise-Marne, bref, la perte sèche par tête de pipe, depuis la mort de Voltaire, étant de l'ordre de 2 doigts 100 grammes par tête de pipe, environ, en moyenne, à peu près, chiffreront bon poids déshabillé, en Normandie, on ne sait pourquoi. Bref, enfin, peu importe, les faits sont là. Et considérons d'autre part ce qui est encore plus grave, qu'il ressort ce qui est encore plus grave, qu'à la lumière des expériences en cours de Steinweg et Petermann, il ressort ce qui est encore plus grave, qu'il ressort ce qui est encore plus grave, à la lumière des expériences abandonnées de Steinweg et Petermann, qu'à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, à des cours, et d'eau et de feu, l'air est le même. Et la terre, à savoir l'air et la terre, par les grands froids, l'air et la terre, fait pour les pierres, par les grands froids. Hélas, au septième de l'air, les terres, la terre, la mer, pour les pierres, par les grands froids, les grands fonds, sur mer, sur terre et dans les airs. Peu cher, je reprends, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, les faits sont là, on ne sait pourquoi, je reprends, au suivant, bref, enfin, hélas, au suivant, pour les pierres. Qui peut en douter? Je reprends, mais n'anticipons pas, je reprends la tête. En même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, au suivant, la barbe, les flammes,
les fleurs, les pierres, si bleues, si calmes. Hélas, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, en Normandie, malgré le tennis, les labeurs abandonnés, inachevés. Mais la tête, en Normandie, malgré le tennis, la tête, hélas, les pierres, connard, connard, tennis, les pierres si calmes. Chapeau, connard, inachevé. Je suis vengé. Donne-moi ça. Comme ça, il pensera plus. Mais va-t-il pouvoir s'orienter? C'est moi qui l'orienterai. Debout, pas. Il est peut-être mort. Vous allez le tuer. Debout, charotte. Aidez-moi. Mais comment faire? Faut le soulever. Il fait exprès. Faut le soutenir. Allez, allez, soulevez-le. Moi, j'en ai marre. Allons, essayons encore une fois. Pour qui nous prend-il? Allons. Ne le lâchez pas. Je sais pas. Tenez-le bien. Tenez-le toujours. Vous pouvez le lâcher. En avant. En arrière. Arrêt. Tourne. Ça y est. Il peut marcher. Merci, monsieur. Et laissez-moi vous... Vous souhaitez... Mais où ai-je donc mis ma... Ma montre? Ça, alors? Une véritable savonnette, messieurs. À 30 secondes, c'est mon pépé qui me l'a donnée. Elle est peut-être tombée. Ça, par exemple. Elle est peut-être... dans votre gousset. Attendez. Je n'entends rien. Venez voir. Il me semble qu'on devrait entendre le tic-tac. Silence! J'entends quelque chose. Où? C'est le cœur. Merde alors. Silence! Peut-être qu'elle s'est arrêtée. Lequel de vous sent si mauvais? Lui, plus de la bouche, moi les pieds. Je vais vous quitter. Où est votre savonnette? J'ai dû la laisser au château sur le Stanway. Alors, adieu. 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 Et merci. Merci à vous. De rien. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Je n'arrive pas à partir.
C'est la vie. Vous allez dans le mauvais sens. Il me faut de l'élan. Écartez-vous. En avant! En avant! En avant! Plus vite! Plus vite! Pliant! 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 Debout! Part! En avant! En avant! Adieu! 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 Passer le temps. Il serait passé sans ça. Oui, mais moins vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Ils ont beaucoup changé. Qui? Ces deux-là. Ah, c'est ça. Faisons un peu de conversation. N'est-ce pas qu'ils ont beaucoup changé? C'est probable. Il n'y a que nous qui n'y arriverons pas. Probable, c'est certain, tu les as bien vus. Si tu veux, mais je les connais pas. Mais si, tu les connais. Mais non. Nous les connaissons, je te dis, tu oublies tout. À moins que ça ne soit pas les mêmes. La preuve, ils ne nous ont pas reconnus. Ça veut rien dire. Moi aussi, j'ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Et puis nous, on ne nous reconnaît jamais. Ah, c'est... Ce qu'il faut, c'est... Ah. Aïe. À moins que ça ne soit pas les mêmes. Didi, c'est l'autre pied. Oh. À moins que ça ne soit pas les mêmes. Ça recommence. Approche, mon enfant. Monsieur Albert? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Avance. Avance, on te dit. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Godot. Évidemment. Approche, on te dit. Pourquoi tu viens si tard? Tu as un message de Monsieur Godot? Oui, monsieur. Eh bien, dis-le. Pourquoi tu viens si tard? Laisse-le tranquille. Fous-moi la paix, toi. Tu sais l'heure qu'il est? Ce n'est pas ma faute, monsieur. C'est la mienne, peut-être? J'avais peur, monsieur. Peur? De quoi? De nous? Réponds. Je vois ce que c'est. Ce sont les autres qui lui ont fait peur. Il y a combien de temps que tu es là? Il y a un moment, monsieur. T'as eu peur du fouet? Oui, monsieur. Des cris? Oui, monsieur. Des deux messieurs? Oui, monsieur. Tu les connais? Non, monsieur. Tu es d'ici? Oui, monsieur. Tout ça, c'est des mensonges. Dis-nous la vérité. Mais c'est la vérité, monsieur. Mais laisse-nous donc tranquille, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis malheureux. Sans blague. Depuis combien de temps? J'avais oublié. Oh, la mémoire nous joue de ses tours. Godot. Je t'ai déjà vu, n'est-ce pas?
sais pas, monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Tu n'es pas venu hier? Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. On dit ça. Eh bien, continue. Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendrait pas ce soir, mais sûrement demain. C'est tout? Oui, monsieur. Tu travailles pour Monsieur Godot? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je garde les chèvres, monsieur. Il est gentil avec toi? Oui, monsieur. Il ne te bat pas? Non, monsieur. Pas moi. Qui est-ce qu'il bat? Il bat mon frère, monsieur. Ah, tu as un frère? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde les brebis, monsieur. Pourquoi il ne te bat pas, toi? Je ne sais pas, monsieur. Il doit t'aimer. Je ne sais pas, monsieur. Te donne assez à manger? Est-ce qu'il te donne bien à manger? Assez bien, monsieur. Tu n'es pas malheureux. Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Je ne sais pas, monsieur. Tu ne sais pas si tu es malheureux ou non? Non, monsieur. C'est comme moi. Où c'est que tu couches? Dans le grenier, monsieur. Avec ton frère? Oui, monsieur. Dans le foin? Oui, monsieur. Bon, attends. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Dis-lui que tu nous as vus. Tu nous as bien vus, n'est-ce pas? Enfin! Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme toi. Je regarde la blafarde. Non, je veux dire, avec les chaussures. Je les laisse là. Un autre viendra, aussi que moi. Mes chaussons moins grands, et ils feront son bonheur. Et tu ne peux pas aller pieds nus? Jésus l'a fait. Jésus? Qu'est-ce que tu vas chercher là?
Tu vas tout de même pas te comparer à lui, non? Toute ma vie, je me suis comparé à lui. Mais là-bas, il faisait chaud, il faisait bon. Oui, et on crucifiait vite. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ni ailleurs. Voyons, Hugo, ne sois pas comme ça. Demain, tout ira mieux. Comment ça? Tu as entendu ce que le gosse a dit? Non. Il a dit que Golo viendra sûrement demain. Ça ne te dit rien? Alors, il n'y a qu'à attendre ici. T'es fou! Il faut s'abriter. Dommage qu'on n'ait pas un bout de corde. Oui, viens, il commence à faire froid. Fais-moi penser d'apporter une bonne corde demain. Oui, viens. Ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble? Je ne sais pas. 50 ans, peut-être. Tu te rappelles le jour où je me suis jeté dans la Durance? On faisait des vendanges. Tu m'as repêché. Tout ça est mort et enterré. Mes vêtements ont séché au soleil. N'y pense plus, va. Viens. Attends. J'ai froid. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de rester seul. Chacun de son côté. On était parfaits pour le même chemin. Pas sûr? Non. Rien n'est sûr. On peut toujours se quitter, si tu crois que ça vaut mieux. Maintenant, ce n'est plus la peine. C'est vrai. Maintenant, ce n'est plus la peine. Alors, on y va? Allons-y. Thank you.
chien vint dans l'office et prit une andouillette, un long coup de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir. Au pied d'une croix en bois blanc, où le passant pouvait lire. Un chien vint dans l'office et prit une andouillette, alors à coup de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir. Les autres chiens se voyant, vite, vite l'ensevelir. Vite, vite l'ensevelir. Encore toi. Viens que je t'embrasse. Mais touche. Veux-tu que je m'en aille? Gogo, on t'a battu. Gogo, où as-tu passé la nuit? Ne me touche pas. Ne me demande rien. Ne me dis rien. Reste avec moi. Est-ce que je t'ai jamais quitté? Tu m'as laissé partir. Regarde-moi. Oh, regarde-moi, je te dis. Ah, quelle journée! Qui t'a esquinté? Raconte-moi. Voilà encore une journée tirée. Pas encore. Pour moi, elle est terminée, quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, tu chantais. Je t'ai entendu. C'est vrai? Je me rappelle? Ça m'a fait de la peine. Je me disais, il est seul, il me croit parti pour toujours. Et il chante. On ne commande pas son humeur. Toute la journée, je me suis senti dans une forme extraordinaire. Je ne me suis pas levé de la nuit, pas une seule fois. Tu vois, tu pisses mieux. Oh, je suis pas là. Tu me manquais. Et en même temps, j'étais content. N'est-ce pas curieux? Content? Ça n'est peut-être pas le mot. Et maintenant? Maintenant, te revoilà. Nous revoilà. Me revoilà. Tu vois, tu vas moins bien quand je suis là. Moi aussi, je me sens mieux seul. Alors, pourquoi rappliquer? Je sais pas. Mais moi, je le sais. Parce que tu ne sais pas te défendre. Moi, je ne t'aurais pas laissé battre. T'aurais pas pu l'empêcher. Pourquoi? Ils étaient 10. Non, je veux dire, je t'aurais empêché de t'exposer à être battu. Je faisais rien. Alors, pourquoi t'ont-ils battu? Je sais pas. Non, vois-tu, Gogo, il y a des choses qui t'échappent, qui ne m'échappent pas à moi. Tu dois le sentir. Je te dis que je ne faisais rien. Peut-être bien que non, mais il y a la manière. Il y a la manière si on tient à sa peau. Ne parlons plus de ça. Te voilà revenu. Et j'en suis bien content. Ils étaient 10. Toi aussi, tu dois être content. Au fond, avoue-le. Content de quoi? De m'avoir retrouvé. Tu crois? Dis-le, même si ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois dire? Dis. Je suis content. Je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? On attend Godot. C'est vrai. Il y a du nouveau ici depuis hier. Et s'il ne vient pas? Nous avisons. Je te dis qu'il y a du nouveau ici depuis hier. Tout suinte.
Regarde-moi l'arbre. On ne descend pas deux fois dans le même pu. L'arbre, regarde-le, je te dis. Il n'était pas là hier? Mais si, tu ne te rappelles pas? Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on ne s'y soit pendu. Oui, c'est juste qu'on ne s'y soit pendu. Mais tu n'as pas voulu, tu ne te rappelles pas. Tu l'as rêvé. Est-ce possible que tu aies oublié déjà? Je suis comme ça. Ou j'oublie tout de suite, ou j'oublie jamais. Et Pozzo et Lucky, tu les as oubliés aussi? Pozzo et Lucky. Il a tout oublié. Je me rappelle un énergumène qui m'a foutu des coups de pied. Ensuite, il appelle con. C'était Lucky. Ah ça, je m'en souviens, mais quand c'était? Et l'autre qui le menait, tu t'en souviens aussi? Il m'a donné des os. C'était Pozzo. Il n'était pas là hier? Mais si, tu ne te rappelles pas? Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on ne s'y soit pendu. Oui, c'est juste qu'on ne s'y soit pendu. Mais tu n'as pas voulu, tu ne te rappelles pas. Tu l'as rêvé. Est-ce possible que tu aies oublié déjà? Je suis comme ça. Ou j'oublie tout de suite, ou j'oublie jamais. Et Pozzo et Lucky, tu les as oubliés aussi? Pozzo et Lucky. Il a tout oublié. Je me rappelle un énergumène qui m'a foutu des coups de pied. Ensuite, il a fait le con. C'était Lucky. Ah ça, je m'en souviens, mais quand c'était? Et l'autre qui le menait, tu t'en souviens aussi? Il m'a donné des os. C'était Pozzo. Et tu dis que c'était hier, tout ça? Mais oui, voyons. Et à cet endroit? Mais oui, tu ne reconnais pas? Reconnais? Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? J'ai tiré ma roulure de vie au milieu des sables, et tu veux que j'y voie des nuances? Regarde-moi cette saloperie! Je n'en ai jamais bougé! Du calme, du calme. Alors, fous-moi la paix avec tes paysages. Parle-moi du sous-sol. Tout de même, tu ne vas pas me dire que ça ressemble au Vaucluse. Il y a quand même une grosse différence. Le Vaucluse. Qui te parle du Vaucluse? Mais tu as bien été dans le Vaucluse. Mais non, j'ai jamais été dans le Vaucluse. J'ai coulé toute ma chaude piste d'existence. Ici, je te dis, ici, dans la merde, Cluse. Pourtant, nous avons été ensemble. Dans le Vaucluse, j'en mettrai ma main au feu. Nous avons fait les vendanges. Tiens, j'ai un homme Benelli, à Roussillon. C'est possible. Je n'ai rien remarqué. Mais là-bas, tout est rouge. Je n'ai rien remarqué. Je te dis. Tu es difficile à vivre, Gogo. On ferait mieux de se séparer. Tu dis toujours ça, et chaque fois tu reviens. Pour bien faire, il faudrait me tuer, comme l'autre. Quel autre? Quel autre? Comme des billons d'eau. À chacun sa petite croix. Pendant le petit pendant, et le bref après. En attendant, essayons de converser sans nous exalter, puisque
Nous sommes incapables de nous taire. C'est vrai. Nous sommes intarissables. C'est pour ne pas penser. Nous avons des excuses. C'est pour ne pas entendre. Nous avons nos raisons. Toutes les voix mortes. Ça fait un bruit d'ailes. De feuilles. De sable. De feuilles. Mais elles parlent toutes en même temps. Chacune à part soi. Plutôt elles chuchotent. Elles murmurent. Elles bruissent. Elles murmurent. Que disent-elles? Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elles en parlent. Il ne leur suffit pas d'être mortes. Ce n'est pas assez. Ça fait comme un bruit de plumes. De feuilles. De cendres. De feuilles. Dis quelque chose. Je cherche. Dis n'importe quoi! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Godot! C'est vrai. Est-ce que c'est difficile? Si tu chantais... Non, non! On n'a qu'à recommencer. Ça me semble pas bien difficile, en effet. C'est le départ qui est difficile. On peut partir de n'importe quoi. Oui, mais il faut se décider. C'est vrai. Aide-moi! Je cherche. Et quand on cherche, on l'entend. Ah, c'est vrai. Et ça empêche de trouver. Voilà. Et ça empêche de penser. On pense quand même. Mais non, c'est impossible. C'est ça. Contredisons-nous. Impossible. Tu crois? Nous ne risquons plus de penser. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Ce n'est pas le pire, de penser. Bien sûr, mais c'est déjà ça. Comment? C'est déjà ça. C'est ça. Posons-nous des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà ça. C'est déjà ça en moins. Évidemment. Alors, si on s'estimait heureux, ce qui est terrible, c'est d'avoir pensé. Mais cela nous est-il jamais arrivé? D'où viennent tous ces cadavres? Ces ossements. Évidemment. C'est ça. On a dû penser un peu. Tout à fait au commencement. Un charnier. Un charnier! Il n'y a qu'à ne pas regarder. Ça tire l'œil. C'est vrai. Malgré qu'on en ait. Comment? Malgré qu'on en ait. Il faudrait se tourner résolument vers la nature. Nous avons essayé. C'est vrai. Ah, oh, ce n'est pas le pire, bien sûr. Quoi donc? D'avoir pensé. Évidemment. Mais on s'en serait passé. Qu'est-ce que tu veux? Je sais, je sais. C'était pas si mal comme petit galop. Oui, mais maintenant, il va falloir trouver autre chose. Voyons. Qu'est-ce que je disais? On pourrait reprendre là. Quand? Tout à fait au début. Au début de quoi? Là, ce soir, je disais... Mais là, ma foi, tu m'en demandes trop. Attends, on s'est embrassés. On était contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est contents? On attend. Voyons, ça vient. On attend. Maintenant qu'on est contents. On attend. Voyons. Ah! L'arbre. Tu ne te rappelles pas? Je suis fatigué. Regarde-le! Je ne vois rien. Mais hier soir, il était tout noir et squelettique. Aujourd'hui, il est couvert de feuilles. De feuilles. Dans une seule nuit. On doit être au printemps. Mais dans une seule nuit. Nous n'étions pas là hier soir, tu l'as cauchemardé. Et où étions-nous hier soir, d'après toi? Je ne sais pas, ailleurs, dans un autre compartiment. C'est pas le vide qui manque. Bon, nous n'étions pas là hier soir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait hier soir? Ce que nous avons fait, c'est de te rappeler. Eh ben, nous avons dû bavarder. À propos de quoi? Au
à bâton rompu. Peut-être à propos de bottes. Voilà, je me rappelle, hier soir, nous avons bavardé à propos de bottes. Il y a un demi-siècle que ça dure. Tu ne te rappelles aucun fait, aucune circonstance. Ne me tourmente pas, Didi. Le soleil, la lune, tu ne te rappelles pas? Il devait être là, comme d'habitude. Tu n'as rien remarqué d'insolite. Hélas. Et Pozzo et le qui? Pozzo? Les os. On aurait dit des arêtes. C'est Pozzo qui te les a donnés. Je ne sais pas. Et le coup de pied? Le coup de pied, ça c'est vrai. On m'a donné des coups de pied. C'est le qui te les a donnés? Et tu dis que c'était hier tout ça? Et voir ta jambe. Laquelle? Les deux. Relève ton pantalon. Je peux pas. Relève. Je peux pas. L'autre. L'autre porte. Voilà la plaie en train de s'infecter. Ah. Ah. Et après? Où sont tes chaussures? J'ai dû les jeter. Quand? Je sais pas. Pourquoi? Je ne me rappelle pas. Non, je veux dire, pourquoi les as-tu jetées? Elles me faisaient mal. Les voilà. À l'endroit même où tu les as posés hier soir. Ce ne sont pas les miennes. Pas les tiennes? Les miennes étaient noires, ceux-ci sont jaunes. Tu es sûr que les tiennes étaient noires? Je vais te dire qu'elles étaient grises. Et celles-ci sont jaunes, fais voir. Verdâtre. Fais voir! Alors, tout ça, je vois ce que c'est. Oui, je vois ce qui s'est passé. Tout ça, c'est des... C'est ça, comme bonjour. Un type est venu qui a pris les tiennes et t'a laissé les siennes. Pourquoi? Les siennes ne lui allaient pas. Alors, il a pris les tiennes. Mais les miennes étaient trop petites. Pour toi, pas pour lui. Bon, je suis fatigué. Bon, allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Mais que faire? Il n'y a rien à faire. Mais moi, j'en peux plus. Veux-tu un radis? C'est tout ce qu'il y a. Il doit avoir quelques navets. Il n'y a plus de carottes. Non. D'ailleurs, tu exagères avec les carottes. Alors donne-moi un radis. Il est noir. C'est un radis. Je n'aime que les roses, tu le sais bien. Alors, tu n'en veux pas. Je n'aime que les roses. Alors, rends-le-moi. Je vais chercher une carotte. Hein. Ceci devient vraiment... insignifiant. Pas encore assez. Si tu les essayais... J'ai tout essayé. Non, je veux dire les chaussures. Tu crois? Ça ferait passer le temps. Je t'assure, ce sera une diversion. Un délassement. Une distraction. Un délassement. Essaye. Tu m'aideras? Bien sûr. On se débrouille pas trop mal, hein, Didi, tous les deux ensemble. Mais oui. Mais oui. On va essayer la gauche d'abord. On finit toujours par trouver un, Didi, pour nous donner l'impression d'exister. Mais oui. Mais oui, on est des magiciens, mais ne nous laissons pas détourner de ce que nous avons résolu. Donne ta jambe, l'autre part, plus haut. Essaie de marcher. Alors, il me va. On va la lasser. Non, 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 pas de lasser, pas de lasser. Tu as tort. Essayons la gauche à présent. Alors, il me va aussi. Elles ne te font pas mal. Pas encore. Tu peux les garder. Elles sont trop grandes. Tu
Tu auras peut-être des chaussettes un jour. C'est vrai. Alors, tu les gardes. Assez parlé de ces chaussures. Oui, mais... Assez. Je vais quand même m'asseoir. C'est là que tu t'es assis, hier soir. Si je pouvais dormir... Hier soir, tu as dormi. J'ai quand même essayé. Attends. Do, do... Oh, pas si fort. Là, je suis là. Là, c'est fini, c'est fini. Je tombais. Je dis rien. J'étais sur un. Non, ne le dis pas. Rien. On va marcher un peu. La, 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 la. Assez. Je suis fatigué. Tu aimes mieux être planté là à ne rien faire. Oui, comme tu veux. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi ? On attend Godot. C'est vrai. Tu ne peux pas rester tranquille. J'ai froid. On est venu trop tôt. C'est toujours à la tombée de la nuit. Mais la nuit ne tombe pas. Et puis elle tombera tout d'un coup comme hier. Puis ce sera la nuit. Et nous pourrons partir. Puis ce sera encore le jour. Que faire ? Que faire ? Tu as bientôt fini de te plaindre ? Tu commences à me casser les pieds avec tes gémissements. Je m'en vais. Tant ! Adieu ! Le chapeau de Lucky. Voilà une heure que je suis là. Je ne l'avais pas vu. C'est parfait. Tu ne me verras plus. Je ne me suis donc pas trompé d'endroit. Me voilà tranquille. Ça devait être un beau chapeau. Tiens. Quoi ? Tiens-moi ça. Il me va. Je ne sais pas. Non, mais... Comment me trouves-tu ? Affreux. Pas plus que d'habitude ? La même chose. Alors, je le garde. Le mien me faisait mal. Comment dire ? Il me grattait. Je m'en vais. Tu ne veux pas jouer ? Jouer à quoi ? On pourrait jouer à Pozzo et Lucky. Je connais pas. Moi, je ferai Lucky. Toi, tu feras Pozzo. Allons-y. Qu'est-ce que je dois faire ? Engueule-moi ! Salaud ! Plus fort ! Fumier ! Crapule ! Dis-moi de penser. Comment ? Dis, pense, cochon ! Pense, cochon ! Je ne peux pas. Pas assez, hein ? Dis-moi de danser. Bon, mais... Dis, danse, pas ! Voilà enfin, je suis maudit.
Moi, tu étais. Je t'ai cru parti pour toujours. Jusqu'au bord de la pente. Combien? Qui? Je sais pas. Combien? Je sais pas. C'est Godot. Enfin. Gogo, c'est Godot. Nous sommes sauvés. Viens, allons à sa rencontre. Gogo! Combien? Voilà de nouveau. Je suis damné. Tu étais loin. Jusqu'au bord de la pente. En effet, nous sommes sur un plateau. Aucun doute, nous sommes servis sur un plateau. On vient par là aussi. Nous sommes cernés. Mais si, pas par là. Il n'y a pas d'issue. Par là, il n'y a personne. Hein? Allez, sauve-toi par là. Tu ne veux pas? Ma foi, ça se comprend. Voyons, il ne te reste plus qu'à disparaître. Où? Derrière l'arbre! Vite, derrière l'arbre! Ne bouge plus! Décidément, cet arbre ne nous aura servi à rien. J'avais perdu la tête. Pardon. C'est fini. Tu vas voir. Maintenant, dis-moi ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire. Toi, tu vas te poster là. Bouge plus. Ouvre l'œil. Tu vois donc comme mon beau vieux temps. Tu ne vois rien venir. Comment? Tu ne vois rien venir. Non. Tu as dû te tromper. Comment? Tu as dû te tromper. Ne crie pas. Pardon. Je t'écoute. Mais non. Mais si. Je t'ai coupé. Voyons, pas de cérémonie. Ils sont pas têtus. Oui. Ta phrase, te dis. Je la tienne. Misérable. C'est ça. Engueulons-nous. Despote. Fermine. Avorton. Morpion. Rat d'égout. Fonctionnaire. Crétin. Crétin. Oh. Attends, raccommodons-nous. Gogo. Didi. Ta main. La voilà. Et dans mes bras. Tes bras. Là-dedans. Allons-y. La, ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Comme le temps passe quand on s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En attendant. En attendant. Si on faisait nos exercices. Nos mouvements. D'assouplissement. De relaxation. De circonduction. De relaxation. Pour se réchauffer. Nous calmer. Allons-y. Non, assez. Je suis fatigué. Nous ne sommes pas en forme. Faisons quand même quelques respirations. Je ne veux plus respirer. Tu as raison. Faisons quand même l'arbre. Pour l'équilibre. L'arbre. À toi. Tu crois que Dieu me voit? Il faut fermer les yeux. Dieu, aie pitié de moi. Et moi? De moi, de moi. Pitié de moi. Qui a crié? Qui a crié? C'est Godot? Ça tombe à pic. Enfin du renfort. Au secours! C'est Godot? Nous commencions à flancher. Voilà notre fin de soirée assurée. À moi! Nous ne sommes plus seuls.
à attendre la nuit, à attendre Godot, à attendre. Toute la soirée, nous avons lutté, livrés à nos propres moyens. Maintenant, c'est fini, nous sommes déjà demain. À moi ! Déjà, le temps coule tout autrement. Le soleil se couchera, la lune se lèvera, et nous partirons d'ici. Pitié ! Pauvre Pozzo. Je savais que c'était lui. Qui ? Godot. Mais ça n'est pas Godot. Ce n'est pas Godot ? Ce n'est pas Godot. Mais qui c'est alors ? C'est Pozzo. C'est moi ! C'est moi ! Relevez-moi ! Il ne peut pas se relever. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi ? On attend Godot. C'est vrai. Peut-être qu'il a encore des os pour toi. Des os ? De poulet, tu ne te rappelles pas ? C'était lui ? Oui. Demande-lui. Si on l'aidait d'abord. À quoi faire ? À se relever. Il ne peut pas se relever. Il veut se relever. Alors qu'il se relève. Mais il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas. Si on lui demandait les os d'abord, et puis s'il refuse, on le laissera là. Tu veux dire que nous l'avons à notre merci ? Oui. Et qu'il faut mettre des conditions à nos bons offices ? Oui. Ça a l'air intelligent, en effet. Mais je crains une chose. Quoi ? Que Lucky ne se mette en branle tout d'un coup, alors nous serions baisés. Lucky ? C'est lui qui t'a attaqué hier. Je t'ai dit qu'ils étaient 10. Mais non, avant, celui qui t'a donné des coups de pied. Il est là. Regarde. Pour le moment, il est inerte. Mais il peut se déchaîner d'un moment à l'autre. Si on lui donnait une bonne correction tous les deux. Tu veux dire, si on lui tombait dessus pendant qu'il dort? Oui. C'est une bonne idée. Mais en sommes-nous capables? Dort-il vraiment? Non, le mieux serait de profiter de ce que Pozzo appelle au secours pour le secourir en tablant sur sa reconnaissance. Mais il ne... Ne perdons pas notre temps en vains discours. Faisons quelque chose pendant que l'occasion se présente. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. Non pas, à vrai dire, qu'on ait précisément besoin de nous. D'autres feraient l'affaire aussi bien, sinon mieux. L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité tout entière qu'il s'adresse. Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous. Au secours ! Que ça nous plaise ou non, profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Représentons dignement, pour une fois, l'engeance où le malheur nous a fourrés. Qu'en dis-tu ? Il est vrai qu'en pesant les bras croisés, le pour et le contre, nous faisons également honneur à notre condition. Le tigre se précipite au secours de ses congénères sans la moindre réflexion, ou bien il se sauve au plus profond des taillis. Mais la question n'est pas là. Que faisons-nous ici ? Voilà ce qu'il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire. Nous attendons que Godot vienne. C'est vrai. Ou que la nuit tombe. Nous sommes au rendez-vous. Un point, c'est tout. Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes au rendez-vous. Combien de gens peuvent en dire autant ? Des masses. Tu crois ? Ah, je sais pas. C'est possible. Oh, ce qui est certain, c'est que le temps est long dans ces conditions et nous pousse à le meubler d'agissements qui, comment dire, qui à première vue peuvent nous paraître raisonnables, mais...
dont nous avons l'habitude. Tu me diras, c'est pour empêcher notre raison de sombrer. C'est une affaire entendue, mais n'erre-t-elle pas déjà dans la nuit permanente des grands fonds? Voilà ce que je me demande parfois. Tu suis mon raisonnement? Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent. Au secours! Je vous donnerai de l'argent! Combien? 100 francs! C'est pas assez! Je n'irai pas jusque-là. Tu trouves que c'est assez? Non, jusqu'à affirmer que je n'avais pas toute ma tête en venant au monde. Mais la question n'est pas là. 200! Nous attendons et nous nous ennuyons. Non, non, ne proteste pas, nous nous ennuyons ferme. C'est incontestable. Bon, une diversion se présente. Et que faisons-nous? Nous la laissons pourrir. Allons au travail! Dans un instant, tout se dissipera. Et nous serons à nouveau seuls, au milieu des solitudes. 200! On arrive! Qu'est-ce que vous avez tous? Au secours! Je m'en vais. Ne m'abandonne pas! Où suis-je? Gogo! À moi! Aide-moi! Moi, je m'en vais. Aide-moi d'abord, puis nous partirons ensemble. Tu promets? Je le jure. Et on reviendra jamais? Jamais. Nous irons dans l'Ariège? Où tu voudras. J'ai toujours voulu me balader dans l'Ariège. Tu t'y baladeras. Qui a pété? C'est Prozzo! C'est moi! Pitié! C'est dégoûtant! Vite! Moi, vite! Donne ta main! Je m'en vais! Après tout, je finirai bien par me lever. Tout seul! Tôt ou tard. Qu'est-ce que tu as? Fous le camp. Tu restes là? Pour le moment. Mais voyons, lève-toi. Tu vas attraper froid. Ne t'occupe pas de moi. Ne sois pas têtu, Didi. Allons. Debout. Tire. À moi. Nous sommes là. Qui êtes-vous? Nous sommes des hommes. Qu'on est bien par terre. Peux-tu te lever? Je ne sais pas. Essaie. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-tu te taire à la fin? Tu me parleras quand même. On ne pense qu'à lui. Et si on essayait de dormir? Tu l'as entendu? Il veut savoir ce qui s'est passé. Laisse-le! Pitié! Quoi? Pitié! Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore ce salaud de Pozzo! Dis-lui de la boucler. Casse-lui la gueule. Ah, tu finis! Vas-tu te taire, vermine! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je l'appelais. C'est ça. Appelle-le. Pozzo, Pozzo. Ensemble. Pozzo, Pozzo. Si on essayait avec d'autres noms, ce serait peut-être amusant. Mais qu'est-ce qui serait amusant? D'essayer avec d'autres noms l'un après l'autre. Ça passerait le temps, et puis... on finira peut-être bien par tomber sur le bon. Je te dis qu'il s'appelle Pozzo. C'est ce que nous allons voir. Voyons.
commence à en avoir assez de ce motif. Peut-être que l'autre s'appelle Cain. Toute l'humanité. Regarde-moi ce petit nuage. Où? Là, au zénith. Eh bien, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Passons à autre chose, veux-tu? J'allais justement te le proposer. Mais à quoi? Voilà. Si on se levait pour commencer. On peut toujours essayer. C'est pas plus difficile que ça. Faut vouloir. Tout est là. Et maintenant au secours. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Que faire? Au secours. Si on secourait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut se lever. Et après? Il veut qu'on l'aide à se lever. Eh ben, aidons-le, qu'est-ce qu'on attend? Il fait exprès. Il faut le soutenir. Ça va mieux? Qui êtes-vous? Vous ne le remettez pas? Je suis aveugle. Aveugle? Peut-il, voit-il clair dans l'avenir? Aveugle? Depuis quand? J'avais une très bonne vue. Développée. Développez! Laisse-le tranquille. Ne vois-tu pas qu'il est en train de se rappeler son bonheur? Memoria praeteritorum bonorum. Ça doit être pénible. Oui, bien bonne. Et ça vous a pris tout d'un coup? Un beau jour, je me suis réveillé. Aveugle, comme le destin. Je me demande parfois si je ne dors pas encore. Quand ça? Je ne sais pas. Mais pas plus tard qu'hier. Ne me questionnez pas! Les aveugles n'ont pas la notion du temps. Les choses du temps, ils ne les voient pas non plus. Tiens, j'aurais juré le contraire. Où est mon domestique? Il est là. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Je ne sais pas. Il semble dormir. Il est peut-être mort. Allez voir s'il est blessé. Mais nous ne pouvons pas vous quitter. Vous n'avez pas besoin d'y aller tous les deux. Vas-y, toi. C'est ça, que votre ami y aille. Il sent si mauvais. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que tu attends? J'attends Godot. Qu'est-ce qu'il doit faire au juste? Eh bien, qu'il tire d'abord sur la corde. En faisant bien attention naturellement de ne pas l'étrangler. En général, ça le fait réagir. Sinon, qu'il lui donne des coups de pied dans le bas-ventre et au visage autant que possible. Tu vois, tu n'as rien à craindre. C'est même une occasion de te venger. Et s'il se défend? Non, non, il ne se défend jamais. Je volerai à ton secours. Ne me quitte pas des yeux. Regarde s'il est vivant d'abord. Pas la peine de lui taper dessus s'il est mort. Il respire. Alors vas-y. Ah! Aïe, la vache!
qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mon ami s'est fait mal. Et le qui? Alors c'est bien lui. Comment? C'est bien le qui? Je ne comprends pas. Et vous êtes Pozzo? Certainement, je suis Pozzo. Mais même qu'hier. Qu'hier? On s'est vu hier. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle avoir rencontré personne hier. Mais demain, je ne me rappellerai avoir rencontré personne aujourd'hui. Ne comptez donc pas sur moi pour vous renseigner. Et puis assez là-dessus. Debout! Mais vous l'emmeniez à Saint-Sauveur pour le vendre. Vous nous avez parlé. Il a pensé, il a dansé. Vous voyez clair. Si vous y tenez... Et lâchez-moi, s'il vous plaît. Debout. Il se lève. Il fait bien. Il se lève. Il fait bien. Il ramasse les bagages. Maintenant, il est fin prêt. Ouais. Où allez-vous de ce pas? Je ne m'occupe pas de ça. Comme vous avez changé. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Du sable. En avant! Ne partez pas encore! Je pars. En avant! Que faites-vous quand vous tombez loin de tout secours? Nous attendons de pouvoir nous relever, et puis nous repartons. En avant! Avant de partir, dites-lui de chanter... À qui? À le qui? De chanter? Oui, ou de réciter? Ou de penser? Mais il est muet. Oui. Parfaitement. On ne peut même pas gémir. Muet? Depuis quand? Vous n'avez pas fini de m'empoisonner avec vos histoires de temps? C'est insensé! Quand? Quand? Un jour, ça ne vous suffit pas. Un jour, pareil aux autres, il est devenu muet. Un jour, je suis devenu aveugle. Un jour, nous deviendrons sourds. Un jour, nous sommes nés. Un jour, nous mourrons. Le même jour, le même instant. Ça ne vous suffit pas. Elles accouchent à cheval
sur une tombe. Le jour brille un instant, puis c'est la nuit à nouveau. À l'avant! Tu ne m'as jamais dormi. Je me sentais seul. Je rêvais que j'étais heureux. Ça a fait passer le temps. Je rêvais. Tais-toi. Je me demande s'il est vraiment aveugle. Qui ? Un vrai aveugle, dirait-il qu'il n'a pas la notion du temps. Qui ? Pozzo. Il est aveugle ? Il nous l'a dit. Et alors ? J'ai l'impression qu'il nous voyait. Tu l'as rêvé. Allons-nous-en. On ne peut pas, c'est vrai. T'es sûr que c'était pas lui? Qui? Godot. Mais qui? Pozzo. Mais non. Mais non. Je vais quand même me lever. Aïe! Aïe! Je ne sais plus quoi penser. Mes pieds! Aide-moi! Est-ce que j'ai dormi pendant que les autres souffraient? Est-ce que je dors en ce moment? Et demain, quand je croirai me réveiller, que dirai-je de cette journée? Qu'avec Estragon, mon ami, à cet endroit, jusqu'à la tombée de la nuit, j'ai attendu Godot, que Pozzo est passé, avec son porteur, qui nous a parlé, sans doute. Mais dans tout ça, qu'y aura-t-il de vrai? Lui ne saura rien. Il parlera des coups qu'il a reçus. Et je lui donnerai une carotte. À cheval sur une tombe et une naissance. Difficile. Lui ne saura rien. Il parlera des coups qu'il a reçus. Et je lui donnerai une carotte. À cheval sur une tombe et une naissance. Difficile. Du fond du trou. Rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. On a le temps de vieillir. L'air est plein de nos cris. Mais l'habitude est une grande sourdine. Moi aussi,
un autre me regarde en se disant il dort. Il ne sait pas qu'il dorme. Je ne peux pas continuer. Qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur? Monsieur Albert? Reprenons. Tu ne me reconnais pas? Non, monsieur. C'est toi qui es venu hier? Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. C'est de la part de monsieur Godot. Oui, monsieur. Il ne viendra pas ce soir? Non, monsieur. Mais il viendra demain? Oui, monsieur. Sûrement? Oui, monsieur. Oh. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Non, monsieur. Deux autres hommes? Je n'ai vu personne, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Godot? Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Il ne fait rien, monsieur. Comment va ton frère? Il est malade, monsieur. C'est peut-être lui qui est venu hier. Je ne sais pas, monsieur. Il a eu une barbe, monsieur Godot? Oui, monsieur. Elle est blonde? Brune? Ou rousse? Je crois qu'elle est blanche, monsieur. Miséricorde. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Tu lui diras que tu m'as vu et que tu m'as vu. Dis, tu es bien sûr de m'avoir vu? Tu ne viendras pas me dire demain que tu ne m'as jamais vu!
Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais? Je ne sais pas. Où irons-nous? Pas loin. Si, si. Allons-nous-en loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi? Pour revenir demain. Pourquoi faire? Attendre Godot. C'est vrai. Il n'est pas venu? Non. Maintenant, il est trop tard. Oui. C'est la nuit. Et si on le laissait tomber? Si on le laissait tomber, il nous punirait. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre. Non. Mais quel genre? Je sais pas. Un saule? Si on se pendait. Avec quoi? T'as pas un bout de corde? Non. Alors on peut pas. Allons-nous-en. Attends. Il y a ma ceinture. C'est trop court. Tu tireras sur mes jambes. Et tu tireras sur les miennes. C'est vrai. Tu veux voir quand même? À la rigueur, ça pourrait aller. Mais est-elle solide? On va voir. Tiens. Je ne vaux rien. Tu dis qu'il faut revenir demain? Oui. Alors, on apportera une bonne corde. C'est ça. Didi. Oui. Je ne peux plus continuer comme ça. On dit ça? Si on se quittait, ça irait peut-être mieux. On se pendra demain, à moins que Godot ne vienne. S'il vient, nous serons sauvés. Alors on y va. Relève ton pantalon. Comment? Relève ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon? Relève ton pantalon. Alors, on y va? Allons-y.